Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soir Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement du personnage Willow de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors il faut savoir que depuis Fortnite Cauchemar, donc Halloween, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Willow et qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc je vous le montre, c'est à côté de l'arbre de réalité, donc juste ici, il y a une maison. Et quand vous allez aller dans cette maison, vous allez voir que l'environnement va devenir plus sombre, comme c'est un lieu d'Halloween de Fortnite. Et dans cette maison, en fait, il y a un boss qui s'appelle Willow, que je vais vous montrer et que je vais tuer. Donc, par contre, faites attention parce que cette maison est remplie de zombies partout. Il y a des zombies partout. Donc, si vous y allez, faites attention. Après, c'est peut-être un bon spawn pour ce loot. Il y a peut-être pas mal de loot, ça, je sais pas trop. Mais faites quand même attention. Après, le personnage est pas très fort parce que j'ai l'impression qu'il n'a qu'une seule pioche. Ou peut-être il a un sniper aussi. Mais voilà, le personnage est pas super, super fort. C'est un petit boss tranquillement. Hop, hop, hop. Et voilà, donc là j'ai réussi à le tuer. Et regardez, en fait, il me donne un fusil de chasseur au coup par coup. Donc tout à l'heure j'ai eu un fusil de chasseur coup par coup, mais en légendaire. Là, je l'ai eu en épique. Mais voilà, c'est pas une arme mythique. Hein. Mais par contre, si vous voulez des zombies ici, franchement, regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Il y en a quoi? Il y en a 6. Il y en a 6 qui me courent après. Donc franchement, c'est un bon petit repère de zombies ici. Plus le personnage Willow. Donc si vous voulez venir faire un petit tour. En plus, il y a des belles petites décorations. Donc voilà, si vous voulez venir faire un petit tour, bah, n'hésitez pas à vous rendre juste à l'emplacement que je vous ai montré. Hein. Donc c'est à gauche de la map, je vais vous le remontrer. Voilà, c'est ici, à côté de l'arbre de réalité. Donc venez ici et venez faire un petit tour et voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.